Bon, là, je vais faire un petit tir récréatif. C'est juste pour voir si ça fonctionne bien en chargeant au maximum. Alors, j'ai mis 22 coups parce que c'est normalement un chargeur de 22 coups. On peut en mettre 23 ou 24, mais c'est jamais recommandé d'aller au-delà de ce qui est prescrit par le fabricant. C'est un bon moyen d'avoir des incidents de tir. Donc là, un chargeur de 22 coups. J'ai mis le viseur point rouge. J'ai laissé les éléments de visée qui me gênent un petit peu, mais qui me permettent quand même de prendre la visée. Et je vais tirer donc rapidement sur le gong pour voir si l'arme fonctionne bien. Apparemment, ça fonctionne bien. J'ai tiré les 22 coups là. On va essayer sur d'autres gongs pour voir un petit peu au niveau tir récréatif. Apparemment, ça fonctionne bien, j'ai tiré les 22 coups. Bon, donc là, je vais refaire le même tir parce que j'ai oublié de préciser d'une part que je tirais des CCI mini-mag et d'autre part que le gong était à 15 mètres, ce qui est une faible distance, mais bon, pour du plinking, c'est une distance réaliste. Et là, j'ai pu vérifier que le viseur point rouge était bien réglé, donc ça devrait coller. Ah, il y a eu un incident de tir. Ah, il y a eu un incident de tir. Là, c'est parce que la cartouche est pas montée complètement au niveau des lèvres. Mais ça, c'est dû au fait que la carabine a déjà pas mal tiré. J'ai fait déjà pas mal d'essais avec. Et il n'y a pas eu de nettoyage. Donc elle a tiré environ 300 coups sans nettoyage. Environ 300 coups sans nettoyage. Bon, là, je pense que ça vient très nettement du. On voit bien qu'il y a pas mal de crasse due aux petites vannes de long rifle. 300 coups sans nettoyage, c'est un petit peu exagéré. On va continuer. Alors là, on continue en espérant que ça va fonctionner parce que vraiment, il y a quand même pas mal d'encrassement. J'ai tiré des cartouches de toutes sortes avec cette arme. Là, je vais tirer sur des petits gongs. Je me suis mis à 10 mètres, d'abord parce que les gongs sont plus petits, mais surtout parce qu'en fait, ils sont très lourds. Ils ne sont pas vraiment prévus pour du 22. Je ne sais pas si ça va suffire à les faire tourner. Normalement, ils tournent d'un côté et de l'autre, mais là, même avec des CCI minimax, je pense que ça ne suffira pas. On va essayer, c'est vraiment un tir récréatif, hein, sans autre prétention. J'ai dû tirer les 22 coups. On va essayer, c'est vraiment un tir récréatif, hein, sans autre prétention. Thank you.
les 22 coups. J'avoue que j'ai pas très bien compté quand j'ai rempli le chargeur. Parce qu'en fait, le 22 doit correspondre à la position du curseur et pas à la position des cartouches. En tout cas, malgré l'encrassement, donc plus de 300 coups, de 22 longs rives de toutes sortes, dont des 22 qui sont très graissés, qui laissent beaucoup de dépôts, et puis bah, fonctionnement parfait. Une arme quand même très intéressante pour le plinking. Surtout avec le petit point rouge, là, c'est vraiment très agréable. Amis tireurs, merci pour votre attention et bon tir.